On retrouve pour ce match une équipe qui avait été battue lors de la dernière journée. Oui, à elle de faire oublier ce résultat et de marquer des points cette fois-ci. Les 30 derniers mètres. Et ce ballon qui est perdu. Attention, ça peut être dangereux. Oh, il a enrhumé le défenseur. Lame. Il est là pour récupérer ce ballon. Ah, c'est une perte de balle. Ce sera finalement une sortie de but. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Quel sauvetage du défenseur! Oh, c'est beau! Allez, bonne touche dans le camp adverse. Sanchez. Le duel pour la récupération du ballon. Et ce ballon est intercepté. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, en passe, bien joué. Le tir. Là, il concède le corner après ce très bon tacle. Bonne anticipation sur cette interception le long de la ligne de touche. Non, non, ça ne passe pas. Ballon qui est sorti en touche. Sanchez. Attaque les propres, mais ballon toujours en jeu. Et l'intercepte. Le ballon est sorti, hein. Le gardien va pouvoir se dégager. Attention, il a du champ devant lui. Bonne anticipation sur cette passe. Attention, il choisit la frappe. Et le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. La défense qui va être mise sous pression avec ce corner qui est concédé. Et il reprend de la tête. Ouais, ça construit devant le but sans se précipiter. C'est un centre. Ouais, l'intention était bonne, mais c'est le défenseur hein, qui a pris le dessus. La frappe. Oh, le but! Oh, le but! Ils prennent l'avantage!
Et comme on pouvait s'y attendre, c'est l'équipe qui joue le plus, qui produit le plus de jeux, qui marque. Oui, voilà, on sent une équipe qui veut faire circuler le ballon, des joueurs disponibles, ça paye et les efforts sont enfin récompensés. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Est-ce ce ballon qui traîne? Ouais, la frappe. Oh, le but, oui! Ça fait vraiment deux buts inscrits coup sur coup. Et les voilà donc avec une avance de deux buts maintenant. Ouais, bien joué la talonnade. Gérard, les 30 derniers mètres. Ah, ça ne passe pas. Freeman. Sanchez. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus. Hein. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Manque d'application hein, sur ce centre et la défense qui peut éloigner le danger. La défense qui va devoir rester concentrée. Ce sera un 6 mètres. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Hors jeu, indique l'arbitre assistant. Bien. Ça siffle dans les tribunes avec cette passe en retrait. La touche, le ballon a été dévié. La touche est ratée et le ballon est perdu. Le long de la ligne de touche, ils font tourner, ils prennent leur temps. Attention à la frappe et le ballon bloqué par le gardien. Ah oui, hors jeu. Je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt. Et ce ballon est intercepté. Allez, touche. Ouais, sur le film, et il est hors jeu sur cette situation. Ouais, il y a faute. Donc bien. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, bonne interception. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Sanchez. Ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense.
L'attaque enrayée par la défense. Oh, l'interception, il a tout anticipé. Le public qui n'aime pas ses ballons en retrait. Là. Le match reprend à l'instant, début donc de la seconde période. Peut-être une bonne opportunité, attention. Ils enchaînent les passes, le décalage qui va sans doute venir. Non, 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 il y a position de hors-jeu. Attention, il a du champ devant lui. La tête. Il place une tête imparable. Une équipe qui a l'image de son gardien est quand même en train de craquer. Ouais, l'écart s'est creusé là. C'est même plus un sursaut d'orgueil qu'il va falloir là. Un bond d'orgueil. 3-0, toujours pas de réaction en face. Bon jaillissement du défenseur sur cette interception. Ouais, il lui remet la bonne interception. Il veut le faire sortir la défense, hein, c'est clair. Ce sera une touche. Donc bien. Ouais, impeccable ce tacle, ce sera une touche. On s'approche de la zone de vérité. Donc bien. Il choisit la frappe et but. C'est toujours bon à la prendre, même si ça ne change pas le verdict de ce match. Et ce joueur qui confirme toute sa classe avec ce but. Oui, il y a tout là. Il y a le sang-froid dans la finition, aucune précipitation dans le dernier geste. La marque des tout grands. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au terme d'affichage. Un ballon perdu, l'adversaire s'est interposé. Un bon ballon d'attaque. Et le hors-jeu qui est signalé. Ouh, ça doit être vraiment limite-limite. Hein. Une petite statistique sur le nombre de hors-jeux. Un ballon intercepté, mal donné ou bien défendu. Les 30 derniers mètres. En profondeur, attention. Il prend la frappe. Oh, le gardien qui a eu chaud là, sauvé par sa transversale. Bonne récupération au milieu de terrain. Gérard. Il avait bien senti le coup. L'arbitre qui laisse jouer. Bah perso, j'aurais sifflé, moi. Ce ballon qui n'est pas donné au bon moment, on le voit sur ce ralenti, mais bon, il n'y a pas hors-jeu de 15 mètres non plus. Hein. Gérard. Oh, c'est l'interception.
L'arbitre a sifflé. Est-ce qu'il va sortir un carton? Je crois qu'il va être averti. Oui, carton jaune, l'arbitre est très clair. Et le public qui se manifeste, une partie du stade en tout cas, et ça peut se comprendre parce que leur équipe est en train de perdre et face à elle, il y a un adversaire. Et le gardien qui s'empare du ballon. Essayer de vite relancer son équipe. Ah, il a bien senti le coup, c'est intercepté. Ouais, la frappe. Ah, la parade du gardien. Il faut être vigilant hein, sur ce corner. Ils sont en train de poser leur jeu patiemment. Ouais, le centre. Ce centre qui ne donne rien finalement. Peut-être une bonne opportunité, attention. Belle passe en profondeur. La frappe. Ils avaient l'occasion d'accroître leur avance. Ils l'ont manqué. Il reste exactement 20 minutes à jouer. Niang. Le ballon va être en touche. Oh, la touche qui est interceptée. Il s'avance vers la surface. Et il reprend de la tête. Ouais, de la tête, c'est superbe. L'enchaînement parfait sur ce but. Ouais, le centre, il se démarque, la tête, c'est imparable. Et ça fait maintenant un score de 4 buts à 1. À là-bas. Les 15 dernières minutes du temps réglementaire. Ils ont décidé de poser le jeu, d'attendre le bon moment pour tenter une percée. L'âme. Ouais, il a encaissé le choc, mais quel équilibre! Oh oui, la bonne option! Ah, ça ne passe pas. Niang. Allez, attention, il se rapproche du but adverse. Allez, bon tacle, mais il n'arrive pas à conserver ce ballon. Ouais, bien défendu, le ballon qui est sorti en touche. Ça part bien, action dangereuse. Ah, c'est mal joué, l'appel, il aurait dû attendre un peu. Les supporters locaux qui font profil bas aujourd'hui. Hein. Ouais, c'est le cas de le dire. Pas trop la fête dans les tribunes, le moral est touché, c'est sûr. Ouais, elle a lutté à Prin pour reprendre ce ballon. Attention, il y a un peu d'espace devant lui. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Attention à la frappe. Ça sort en touche. Il a raté sa touche, le ballon récupéré par l'équipe adverse. Oui, bien taclé, mais ce n'est pas fini. Sanchez. À la bas. Ah oui, alors je crois qu'il est parti un petit peu trop tôt.
Oui, il a bien lu le jeu. Ballon intercepté. Le quatrième arbitre indique qu'il y aura 4 minutes de temps additionnel minimal. Allez, peut-être une bonne occasion. Ouais, bon timing défensif sur ce tacle. Attention à ne pas trop se faire chahuter dans la surface. Et la très bonne intervention défensive. On s'approche du but. Un ballon rendu à l'adversaire. Allez, 4 buts à 1, ce sera le score final puisque l'arbitre vient de siffler à l'instant même la fin du match. Cette défaite qui...